On se trouve dans une forêt en Tasmanie ici, qui représente beaucoup de choses pour nous, parce qu'elle contient pas juste du bois, mais aussi un écosystème et des plantes qui sont très utiles à l'homme. On sait que dans les forêts, comme ici, il y a des fungi, des champignons, du mycélium qui colonisent le sol des forêts, c'est pour ça qu'elle existe, qu'elle continue à exister. Ce champignon-là, en particulier, c'est pour ça que je vous le montre, c'est Trametes versicola. C'est la queue de Turkey. De Dinde, peut-être, qu'on dit. Ce champignon-là est bon pour le système immunitaire, pour les gens qui ont le cancer. Et vous pouvez trouver ça sur l'internet, il y en a partout, mais ça pousse aussi ici. Et je suis sûr que ça pousserait très bien en Nouvelle-Calédonie et que ça existe déjà. Parce que les spores du champignon ont bougé très facilement de continent à continent. Et voilà, ça c'est la forêt dont on a besoin, qu'il faut garder et utiliser.